La Guimauve Vivienne, c'est un vrai retour en enfance. C'est l'histoire de la rencontre avec l'équipe de design de Louis Vuitton. On a repris en fait cette petite poupée avec l'objectif d'en faire comme l'ourson de Guimauve qu'on a pu tous goûter quand on était enfant. C'était un peu le péché mignon quand j'étais gamin avec tous mes copains. Tout le secret, en fait, toute l'émotion de la recette se retrouve dans tous nos ingrédients, et évidemment les blancs des œufs sont ceux de la ferme familiale. Le point important, c'est vraiment de réaliser cette meringue, donc bien foisonner les blancs pour arriver à avoir une texture de meringue très aérienne en fait, avec l'infusion de vanille de Tahiti qui va prolonger le goût. Et puis évidemment les chocolats de Nicolas Berger qui vont vraiment donner de l'intensité à la dégustation. Le glaçage de nos guimauves, c'est un moment un peu sensuel aussi, très émouvant, parce qu'on a ce rideau de chocolat, les guimauves passent, et donc on a cette soufflerie qui va faire les petites ondulations, et là on s'amuse aussi à mettre un point de chocolat blanc, un point de chocolat au lait. Puis ce croquant aussi naturel, lorsqu'on va croquer dedans, on va vraiment avoir ce croustillant qui va arriver du chocolat.